souffre. Je ne veux pas la prendre. Je veux qu'elle se donne. Peut-on savoir quelle beauté vous attire dans les parages? C'est encore un secret. Tu te rappelles tous ceux qui sont mariés quand nous étions étudiants? Ils sont presque tous divorcés. Nous nous avons aimés. Sous l'œil de ma cousine Volange. Un vrai dîner de famille. L'homme fait les premières avances, Cécile, et la femme les secondes. Pense à ta réputation. Mais je te préviens, si tu vas retrouver Danceny maintenant, c'est la guerre. Le style de la rupture, c'est tout le charme des liaisons. J'ai rencontré le lendemain de mon arrivée un ennemi digne de moi. J'ai rencontré la fidélité. En transposant l'œuvre de Laclos à l'époque actuelle, a déclaré Roger Vadim, le réalisateur du film, je me suis efforcé de rester fidèle à l'esprit du roman et à la peinture des personnages. Valmont, lucide, raffiné, ambitieux, il domine les femmes. Et Juliette de Merteuil domine Valmont. C'est une femme séduisante, intrigante, perfide. Elle a un extraordinaire besoin de puissance et de domination. Marianne Tourvel, au contraire, est une femme simple, sincère, heureuse. Cécile a 16 ans. Alors pourquoi t'es-tu fiancée? Elle est de vie bourgeoise. Mes parents sont bien gentils. Un homme plus âgé qu'elle, sincèrement amoureuse de son ami d'enfance. C'est l'art d'aider la nature. Merci, je pense que je traite. Séduite par un troisième. Quant à Danceny... Enfin, un jeune homme qui ne pense pas qu'à gagner de l'argent. C'est un étudiant. Il est sain, confiant. C'est le type même de l'anti-tricheur. Ah, parce que tu as deux fiancés. Le vrai et le faux. Oui, mais à vrai dire, c'est le faux qui est le vrai. Et le faux vrai, qui est-ce? C'est à cause de Danceny que j'ai... Ah, décidément, ce qui fait venir l'esprit aux filles, à toi, ça te l'enlève. Je vous en prie, laissez-moi. Et les amis vont trouver dans leur lit une élève de Valmont. Nous n'avons pas fini de rire. C'est encore pire que lui.